C'est un quartier qui paraît encore plus grand que sur la photo. Vous avez raison. C'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. Il y a... Excusez-moi. Allô? C'est Nicole qui t'a donné mon numéro? Écoute, je peux pas parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Oui, je sais, tes parents veulent changer leur billet d'avion, mais ils ne partent que dans 2 semaines. On en reparlera. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Allez, salut. Il y a une vie culturelle très active. C'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux. Oui, plus de 100 000 personnes viennent y travailler tous les jours. Et combien de gens y habitent ? 20 000 personnes habitent ici, dans cette partie qu'on appelle... Oui ? Oui, Julie, un peu, je suis occupé. Oui, d'accord, je ferai les courses. Non, non, je n'oublierai pas la lessive. Mais oui, je penserai aussi au beurre. Maintenant, je te laisse. Écoute, je vérifierai tout, j'achèterai tout, je paierai tout. D'accord? J'ai vraiment du travail. Salut. Je suis désolé. Nous redescendons? Ce n'est pas trop dur pour les personnes qui vivent au milieu de cette tour de verre? Je ne crois pas, ce sont des gens qui aiment le calme. Mais y a-t-il une vraie vie de quartier? Oui, je crois. Les boutiques et les cafés que vous avez vus attirent beaucoup de monde. Je vais m'énerver. Oui? Ah, c'est toi, Nicole. Excuse-moi, mais ça n'arrête pas de sonner. Ah, je suis content pour lui. Et il va reprendre le travail cet après-midi? Oui, d'accord. Je vais l'appeler. Merci, Nicole. Attends, arrête de donner à tout le monde le numéro de mon portable, tu veux? Richard se sent mieux. Il va sans doute nous rejoindre cet après-midi. Je vous laisserai avec lui. Il connaît la défense bien mieux que moi. Mais nous sommes très contents d'être avec vous, Monsieur Royer. Est-ce que nous allons visiter les centres commerciaux des quatre temps? Oui, nous y allons maintenant, si vous voulez. On pourra même y manger. En chemin, je vais téléphoner à Richard et nous prendrons rendez-vous avec lui. Qu'est-ce qui se passe? La batterie est déjà déchargée? J'ai peut-être lu le mode d'emploi trop vite. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas coupés du reste du monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons les pronoms relatifs. Qui, que et où. D'abord, le pronom relatif sujet, qui. Prenons un exemple. C'est une véritable ville qui paraît encore plus grande que sur la photo. Suivez la transformation et l'introduction du pronom relatif. C'est une ville. Cette ville paraît encore plus grande que sur les photos. C'est une ville qui paraît plus grande que sur les photos. Qui remplace le nom ville. Il est sujet. Puis le pronom relatif complément d'objet, que. Prenons un autre exemple. Les boutiques que vous avez vues attirent du monde. Les boutiques attirent du monde. Vous avez vu les boutiques. Les boutiques est le complément d'objet direct de vous avez vu. Les boutiques que vous avez vues attirent du monde. Attention! Que remplace les boutiques féminin pluriel. Quand le complément d'objet direct se place avant l'auxiliaire avoir, il y a accord entre le participe passé et le complément d'objet direct. Les boutiques que vous avez vues. Notre troisième relatif est où, qui remplace un complément de lieu. Écoutons et regardons l'exemple. C'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. C'est une ville. Dans cette ville, on trouve des magasins. C'est une ville où on trouve des magasins. Attention, le mot « que » peut avoir plusieurs fonctions grammaticales différentes.
Ne confondez pas le pronom relatif « que » les gens que vous connaissez, la conjonction « que » il est plus grand que moi, je crois que tu aimeras, le pronom interrogatif « que fais-tu ?» et l'adverbe exclamatif « que c'est beau !» Que c'est sympa, la grammaire. Au revoir. Écoute, je ne peux pas te parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Excuse-moi, je suis occupé pour le moment. On peut se rappeler plus tard ? D'accord ? Pardon, mais je ne peux pas te parler maintenant. Je te rappelle. Maintenant, je te laisse, j'ai vraiment du travail. Excuse-moi, je peux pas continuer à te parler, j'ai un autre appel. On arrête, je n'ai pas le temps de te parler maintenant. À bientôt.